amis supporters, je vous demande d'avoir une pensée aujourd'hui pour José Moès. 237 matchs, 101 goals, 6 fois international, 2 fois champion de Belgique en 52 et en 53. José Moès, une grande figure du Royal Football Club liégeois, vient de décéder à l'âge de 92 ans. Je vous demande un formidable applaudissement. Et j'associe à vos applaudissements également Dominique Benofrieux, qui fut entraîneur chez nous dans les équipes de jeunes dans les années 90 et qui décédait également il y a une dizaine de jours à l'Argentine. Dominique Benofrieux. Let's go!
Abeya et Mana. Thank you.
Alors Alex, ben on peut dire que la série noire continue parce que une kyrielle d'occasion, des buts encaissés encore une fois de carnaval, comme on dit, et le résultat c'est la défaite, une de plus, et vraiment ça devient vraiment vraiment inquiétant. Oui, ça devient inquiétant. D'un autre côté, il y a une chose positive, c'est qu'on s'est créé sur les deux matchs que je viens de faire avec Liège énormément d'occasions et on n'aime pas. Je dis, on était mené 2-0 avec un début catastrophique qui n'était pas prévu dans nos plans tactiques, sur deux buts cadeaux, comme la semaine passée à 10 games. Mais en même temps, si on mène 3-2 ou 4-2, il n'y a personne qui a quelque chose à dire parce qu'on a eu assez d'occasions pour revenir dans le match. Alors il a manqué quelques minutes peut-être, puisqu'on vient à 2-3. Ceci dit, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Ben, ce qu'il faut faire, c'est tout d'abord resserrer les boulons, comment dire, parce que bon, si on continue à donner autant de cadeaux, je crois qu'on ne va pas jouer pour les 6 premières places. Hein, donc maintenant, mathématiquement, il n'y a encore rien, le mal n'est pas encore fait, mais il faudra absolument prendre des points. Et je pensais déjà commencer aujourd'hui à domicile. Je me dis, on a encore 7 ou 8 matchs à domicile, donc faire le plein à domicile, c'est toujours intéressant. Maintenant, il faudra récupérer des points à Tirlemont dimanche prochain. Mais bon, j'espère qu'on va arrêter de donner autant de cadeaux, parce que j'ai dit, les deux premiers buts, c'est vraiment deux cadeaux. Et la semaine passé aussi. Mais bon, quand je suis arrivé ici, j'ai vu qu'on avait déjà pris 40 buts. On était la troisième meilleure, plus mauvaise défense. Et quand je dis la plus mauvaise défense, je vise pas seulement mes défenseurs, parce qu'une équipe, c'est un tout. Mais bon, il faut arrêter. Sinon, on n'a aucune chance de terminer les 6 premiers. Et ça va être très dur, parce que bon, les autres ont gagné. Mais la seule chose positive, comme je viens de dire, c'est que bon, tout d'abord, on s'est créé des occasions. Et je voudrais dire aussi un petit mot pour les supporters, parce qu'à 0-3, je me suis dit, peut-être ils vont laisser tomber les bras. Et merci aux supporters qui nous ont quand même tenus jusqu'à la dernière minute. Et ça, je crois que ça fait aussi plaisir pour les joueurs. Rien n'est perdu alors, malgré tout ? Mais les gens qui me connaissent savent que si je suis ici, rien ne sera jamais perdu. Même si mathématiquement, on n'a plus aucune chance de jouer les 6 premières places, par respect par le public qui est toujours très nombreux à Liège, je crois qu'il faut se battre et se donner à fond pour essayer de prendre les 3 points.